My name is Rita Joseph. I was born in Haiti and raised by my grandparents who brought me to the Brooklyn community and taught me Creole. SendWave is going to have a huge impact on the Haitian American community here. With low fees, quick sending, and a secure process that allows your recipient to pick up money at any more cash agent, it makes the remittance process easier and more affordable for everyone involved. I'm proud to use SendWave and can't wait to share the app with more of my friends and family in our Brooklyn community. Haiti Société Le secteur privé des affaires à travers plusieurs chambres de commerce se positionne et se dit très préoccupé de la situation en Haïti et qualifie d'irresponsable le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, M. Jean-Victor Généus, n'a traité pour ça avec le point qui dit en sécurité panique à Belleville les résidents de ce quartier de, de ce quartier résidentiel s'organisent et se disent prêts à toute attaque ok et par contre si nous remarquons alors si on regarde le téléphone moi après que il y un élastique qui est belle parce que il saute tomber pendant l'oc là il est plus fond debout. Ah ouais. On va bailler une bon marché de téléphone là pour nous le magasin va faire le nous continuer sur le téléphone. Attendez, il s'est un téléphone. Sur la sique dans tête là. Donc on va attendre pas prendre un bon bel téléphone. Non, on va le téléphone. On va attendre pas prendre le téléphone. On y aller. Ça se comprend On y aller. OK. Cherche ça 5 cas donc le téléphone. Ah oui, bien sûr. OK. On y aller. Ça fait deuxième sortie que secteur privé a fait. Nous sommes songe première sortie, première lettre, première position que tu prends. On lettre que tu as adressé, on note que tu as adressé à la presse et où tu es qui est ce qui décide OK Où tu es qui est qui décide Ismaël vous une premier lettre là pour moi. Vous veut une lettre première là pour garder signature. Première lettre secteur privé. OK sur la crise haïtienne. On a dit que Claire Vau bonne fête de la part de son mari David. OK. OK. Valessin, vous, vous êtes pour moi première lettre s'il vous plaît. C'est très important avant de rentrer dans l'analyse Premier lettre du secteur privé Premier lettre secteur privé madame monsieur et puis regardez qui est-ce qui s'y est premier lettre là et ici on a émis ce matin de débat l'un d'après analyse l'un d'après analyse sur le première en fait première note du secteur privé sur la conception haïtienne ça me dit me dit qui est-ce qui s'y est le lettre ça sur mon n'est pays donc c'est pas institutionnel et c'est grave, oui, madame, monsieur. Ah oui, c'est grave. C'est pas institution. C'est des individus, des personnalités qui apposent des signature en bas ou en note. Bien entendu, y a chaque sorti dans le secteur, chaque représenté tel ou tel business, mais c'est pas institution. Bien, yeah, yeah. et. Bon, bon non, seulement. Ok. On allait. Okay. On regarde, ça c'est la première note. Mm -hmm. Notre communiqué en fait, le secteur privé, madame, monsieur. Ok. okay. Qui est-ce qui décide Laurent saint Laurent saint -Cyr. Président Chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti. CCIH. Que que Willem Lemke. Mm -hmm. Willem Lemke, qui est président de l'association des industries d'Haïti, Adi. Que que Jean-Philippe Boisson, président Chambre américaine de commerce en Haïti, Amcham Haïti. Reina Forbin, mm -hmm. président Association touristique d'Haïti, ATH. Michel Moura, président Chambre de commerce et d'industrie canado-haïtienne CCICH. Très okay. bien. Ça c'est non Mounsaou qui te signe. Qui te signe pour mes mettre là. Oui, Très bien. Okay. Non mais, il y a Edidib, non, Goulot, Edidib te signe. Non, ça c'est ça qui se fait sortir là. ça fait ça, Non, ça c'est l'été. C'est septembre. Oui, ça c'est le 27 septembre. Ok. Maintenant, ça c'est que tu sorti avant. Avant. Oui, parce que si soit es sorti Mounsaou Mounzao est identifié. Pourquoi c'est qui sorti avant Non, il y a qui sorti avant. C'est vrai le monde. Parce que l'important, avant de continuer à analyser, madame, monsieur, ça c'est la position chambre de commerce. En fait, secteur privé qui est exprimé à travers chambre de commerce. Et c'est Mounsao qui représentait différentes chambres de commerce parce qu'on dans le pays, qui signale Mais une première lettre, un premier communiqué, ou bien on note que le secteur privé a été voyé. Et là-dedans, tu a un paquet d'entrepreneurs, tu as un paquet d'hommes d'affaires qui ont même été signés personnellement. Il y en a d'ailleurs, c'est Edith Dib, c'est Bossan, Bossan est signé. Donc, eh, eh, vous voyez ça pour moi, vous voyez bye bye, de César, avant de continuer. Vous c'est important. C'est pour nous montrer, nous, je dis, hypocrisie qui est dans le secteur privé. Ah ouais Hypocrisie qui est dans, dans le secteur privé. ça. je m'entendre parler donc, non, l'important, où venez les amis Moi, je vais que... parler, parler. OK, important. Donc, pour me, pour me communiquer, on pourrait c'est des individus. C'est des gens dans le secteur privé qui signent, qui demandent l'information au Rougon. Ou un politicien ici, C'est n'est pas que l'autre m'a dans ce matin, bas, que la politique est manipulée par l'économique. Ah ouais Et je dois regarder, la bataille qui gagne la souterraine, hein, mis à part son bataille politique. OK Parce que je dis à la c'est docteur Alain Ricky qui était balancé côté privé là. Pas la part privée là non madame monsieur. Alain Henri bien démarré oui. Tout le monde est d'accord avec le docteur Alain Henri. Là-bas là, dans le secteur privé, il était tabale pression pour le monter. Justement, OK, là-bas là c'est d'accord. OK, bien dans le secteur privé en à Alain. Il était bien commencé oui. Il vient qui était balancé à Il qui vient faire que connait la politique là. OK, donc à goumer avec lui. Mais la bataille qui là sous madame monsieur, également son bataille économique. Il y a son bataille économique. Où est le leader politique ici Moi, je ne vais pas nous mentir. Je ne vais pas me dire que je suis leader de Matheus. Bon, si oui, es, hey. on est capable de nous améliorer, on va OK Mais si je suis leader, je vais me dire que chaque jour. Chaque jour, pour ne vais jamais changer. pour ne vais jamais changer de position. pour ne vais jamais me retrouver dans une situation où je vais changer de parole. Est-ce que je ne vais pas notre secteur privé là mettez dehors. Avant de mettre le dehors, je mettre la doute. Donc, le leader politique, comme vous nommez vous? Ça, c'est là. Regardez, monsieur. Comment ça hein? Avant, monsieur, dame, vous mettez y note là dehors Premier note là. Avant, de mettre le dehors. Il assurez que Je avec plusieurs leaders politiques pour les leaders politiques parle bien rien hein? et et de faire leader politique, ça y est, content de toute la journée, au te content de toute la journée, donc, sous des dossiers dans le pays. Est-ce que nous sommes dans le leader politique, intervenu sous notre secteur privé? Moi, Le secteur privé a le lui, il a payé comme lui. Il est touché pour ça. c'est lui qui a parlé dans le pays, là. Et moi, il parlé. Ok? Mais ça qu'il faut pas attendre, personne n'a dans ce politique, là. Ok? critiquer notre secteur privé. Hein? parler de notre secteur privé. Ouais, est-ce qui est bon? Le secteur privé, ça. Ok? Lui, la fait politique dans pays. Ouais, est-ce qui est bon? Même pour une note. Parce qu'elle connaît que le pays est un peu de Parce qu'elle connaît que le pays est politique peu de gens madame, monsieur. Ah oui. il assurez, vous avez un hein, peu de gens qui Vous fait un peu de gens matin. ont eu l'air. Je pas faire ça. Non. Je ne pas faire ça. Mais il y a des gens là tout. Ok, les gens qui ont dit Ah, mon frère, pas de pays à ça. Parce que c'est mes gens. Écoutez, et puis il y des leaders politiques, madame, monsieur. Parlez secteur privé mal. Nos radios, nos télévisions. Et puis il y a des gens qui ont dit Ok, Mais mon autre, secteur privé a mis deux dans le pays ça. là. Ok. Il assure l'arrangement que les leaders politiques ont il l'argent. Il paye, oh. Juste pour faire mes bouchons. puis il n'y pas critiquer notre. En tout cas, j'espère que nous venons premier notre premier, note là, donc, dans un premier temps. Donc, et, et, et pour nous garder alors, le monde les gens qui est Alors, c'est deux notes. Oui, c'est deux notes. Et uh -huh. y ont ces et chambres de commerce. Qui sont sorties hier. Yeah. Correct. Et puis, il y a une qui est sortie avant. Je pense que ça, ça, ça a été peut-être un mois. OK. Bon. On garde la deuxième note. Docteur Ayal Henry, Premier ministre, en ce bureau. Pour reprendre le 27 septembre 2022. Monsieur le Premier ministre, les associations patronales signataires de la présente ont été sidérées en prenant. En prenant connaissance du message officiel porté par le ministre des Affaires étrangères haïtien, M. Généus, devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ce lundi 26 septembre 2022. Le ministre des Affaires étrangères a dit hier, nous citons, je suis en mesure d'annoncer qu'à l'exception de quelques cas isolés, la situation est globalement sous contrôle et le calme est revenu dans plusieurs parties du pays. Fin de citation. Les conseils d'administration de la Di Association des Industries d'Haïti, la AMCHAM, Chambre américaine de commerce en Haïti, la TH, Association touristique d'Haïti, la, la CCIH, Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, et la, CC, et la CCIHC, Chambre de commerce, Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, ont donc été profondément surpris par ces propos, irresponsables tenus par le ministre Genéus devant le Conseil de sécurité de l'ONU, car, car il ne reflètent en aucun cas la réalité de la situation dans le pays. En effet, les associations patronales... Signature, suppose que le Premier ministre est bien informé des de troubles sociopolitiques qui règnent à travers le pays. Alors, ma sous déformé parce qu'on est un caractère anti qui règnent à travers le pays depuis le lundi 12 septembre dernier. Ces troubles ont systématiquement paralysé tous les secteurs d'activité sur l'ensemble du territoire national, causant la fermeture des entreprises, des écoles et même... Des bureaux étatiques, les, les scènes de pillage et d'incendie de stations d'essence, d'entreprises privées, de résidences privées, de sites d'organisations internationales et même d'institutions de l'État, le blocage d'un grand nombre de rues par des barricades, empêchant toute circulation de biens et de personnes, le blocage effectif est par les chefs de gang des terminaux à essence pour empêcher la libre distribution de ces produits stratégiques. Les mouvements violents de groupes de la population pour maintenir ce climat et les mouvements de manifestation populaire sont des faits qui décrivent la réalité de la vie haïtienne actuelle. Il est de fait que la PNH, malgré ses moyens limités, a tenté par des actions ponctuelles de rétablir l'ordre. Cependant, il est également un fait qu'en aucun cas nous ne pouvons parler aujourd'hui d'une situation sous contrôle. Lorsque les activités demeurent paralysées, lorsque le pays est en grève, lorsqu'il est impossible de s'approvisionner en carburant sur su, toute l'étendue du territoire, lorsque plusieurs hôpitaux ferment leurs portes, lorsque des kidnappings et, et viols sont des faits courants, lorsque l'accès... Au département du Grand Sud et du Grand Nord est impossible lorsque des milliers d'Haïtiens demeurent déplacés de leur résidence par les gangs armés lorsque les Haïtiens survivent de la peur. Nous ne pouvons qu'imaginer que le ministre des Affaires étrangères, étant peut-être étranger aux affaires locales, a dû être mal informé en affirmant au Conseil de sécurité de l'ONU que la situation est sous contrôle. Cependant, vu la, les conséquences d'une telle déclaration, les associations patronales estiment qu'il est du devoir du gouvernement de remédier rapidement à ce tempère diplomatique en offrant un nouveau message officiel, véridique, au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'informer de la réalité sur, les, sur le territoire. Nous espérons, Monsieur le Premier ministre, que vous comprendrez le bien fondé de notre... Démarche et saurait prendre les actions appropriées pour rétablir la vérité, la crédibilité et l'image du gouvernement haïtien. Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Premier ministre, nos salutations participées, nos salutations patriotiques et copie conforme au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Monsieur Laurent saint président de Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, Madame Raina Formé, présidente de l'Association touristique d'Haïti, Monsieur William Lemke, président de l'Association des Industries d'Haïti. Monsieur Mi Madame Michelle Moura, président de la Chambre de commerce et d'industrie canado-haïtienne. Et puis, Monsieur Jean-Philippe Boisson, président de la Chambre américaine de commerce en Haïti, Amcham, Haïti. Alors, ok. beaucoup mm -hmm. de mm -hmm. Et ça va garder là, pas presque le 24 septembre 2022. Mm -hmm la chambre de commerce et d'industrie d'Haïti alors d'industrie de l'ouest CCIO est préoccupée. ça fait deux notes ça fait deux notes OK ça note ça sorti très important madame monsieur note ça sorti le 24 sorti écoutez madame monsieur ça ça très important note ça sorti le 24 yes ça sort le 27 OK on lit notre le 24 là ça lit on lit conclusion et bien Ok. Nous présentons nos sympathies à toutes les victimes de et réitérons notre conviction que la construction ça c'est ça c'est est passée dans toute la et craser a bien fait et non 24 septembre 24 septembre oui, mm -hmm. et réitérons notre conviction que la destruction n'a jamais et ne pourra jamais nous amener à résoudre les problèmes profonds de notre société. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, CCIO, exprime à nouveau son inquiétude face à la situation désastreuse dans laquelle le pays s'enlise et exige que l'État prenne les mesures nécessaires afin d'éviter une crise humanitaire extrême. C'est signé de Laurent Saint-Cyr, président. Jean-Philippe Boisson, vice-président. Martine mm -hmm. L. Cuvili, deuxième vice-président. Mm -hmm. Sandrine Laroche, secrétaire générale. Gaëtan Barrault, secrétaire adjoint. Mm -hmm. Christopher Dib, trésorier. Manuel D. H. Desquiron, trésorier adjoint. Mm -hmm. Michael Paul, membre. Christian Maton, membre. Victor Saliba, membre. David Rickmans, membre. Jean-Max Chauvet, membre. l'état have a Boulet et plage, monsieur. Hein? Okay. Jeffrey Andal, membre. Harold Marzuka, junior, membre. Christopher Andal, membre. Donc ça c'est la note signée salué Johnny Marketing qui voyait le nom Donc ça, c'est la note, n'est-ce pas vrai, de... La note du 24 septembre du 24 2022. Septembre, bien. De la Chambre de Commerce bien. de l'Ouest. Ça veut dire que ça fait exactement trois notes du secteur privé. Soit elle garde tous les trois notes, après que le secteur privé ne fait que dénoncer. Le secteur privé, pas position sous le sérieux là. Elle garde tous les trois notes, dans la dernière note-là, il a simplement demandé à pour le fond l'autre note officielle pour la vérité à la Nations Unies. Oui. Selon eux-mêmes, son impair que le ministre a fait, il a fait, pour changer la situation pays là, que en fait, le secteur privé a décrit à travers notre lien, lui, il irresponsable de la part du ministre, okay, pour l'État dit que la situation est sous contrôle. Mais dans les trois notes, le secteur privé n'a pas pris de position. Donc ça dit que quelque part, quelque part, oui. Est-ce que le secteur privé ça tout lié à l'écoute de la population Parce que madame, monsieur, la situation, écoutez, le secteur privé l'a décrit, Il décrit la dernière note là. Et la note du 24 septembre, il décrit encore. Et la première note, c'était d'attirer l'attention la Premier ministre sur la situation qui a dégagé. Mais qui position il prend Quelle position il prend Il pas prendre aucune position. OK Il pas prend aucune position. Ça veut dire que... La population, je dis, j'ai situation là, la population dit, là, qui est en misère, qui est en crasse, qui a demandé des départ à Ariel Henry. Okay? Vous n'avez pas attendu la Ils ont seulement constaté, ah oui. Vous constaté, constaté les dégâts okay, que la population fait. Ah oui. Yeah. ont constaté les dégâts que la population fait. ont constaté en fait que le pays a bloqué. Mais ils n'avez pas pris en position, madame monsieur. Ça, m'a dit nous, nous, nous même dans le secteur privé. C'est trop hypocrisie. Et ça fait mal là, que vous avez les politiciens. Je dis, ah. là, nous faisons une note qui peut être analysée, peut-être Et puis, c'est même politiciens politicien ça va avoir notre associé que nous, ben, bah, il a pour ça. comprends bien hein? Là, di, je dis, ah, écoutez, c'est comme si nous regardions que le secteur privé, l'État presque, doux, ça n'a pas tellement trop intéressé. Ils ont plaidé Ils ont plaidé parce que le business est menacé, parce que le business n'est pas fonctionnel. Ils n'ont pas qu'à aller travail, ils pas qu'à business. Mais, ils ont dit un travail prudent. Sous quelle position vous ne pouvez pas prendre, madame monsieur? Pendant ce temps, dans tout secteur dans le pays, dans la population, il y a demandé de départ à Henry. Écoutez, madame monsieur, je dis, même si un secteur privé a donné sa dernière note à travers les chambres de commerce, il dit que il encouragé docteur Ariel Henry pour faire une autre note, dans les Nations Unies, okay, qui reflète la réalité parce que, selon lui, le ministre des Affaires étrangères, madame monsieur, le ministre des Affaires étrangères, donc, donc il est irresponsable, madame monsieur. Ok? Monsieur, madame, monsieur, écoutez. secteur privé, c'est comme si, comme si nous n'avions pas de contact avec les Nations Unies. Non. Comme si nous n'avions pas de lobby qui travaille pour nous. Ou si nous pour nous dire la vérité. Comme si nous ne payons pas, nous pas l'objet aujourd'hui à pour business Nous, nous, nous n'avons nous, nous, pas aucun sénateur américain qui nous appelle. Nous n'avons pas officiel américain qui nous appelle même Donc nous ne pouvons pas dire la vérité. C'est ça pour nous voir. Oui. Le ministre des Affaires étrangères, écoutez, nous voyons que justement, ils font des déclarations irresponsables. Eh bien, pas de problème. nous même maintenant, du secteur privé, et pas d'écriture pour les médecins. Déjà, je vous dis pied chaque jour dans le pays. OK C'est dégâts chez nous. Relez-vous, nous avons tout. L'objet, ce que nous avons. Nous avons payé, madame, monsieur, pour faire politique dans, pays. Nous dans pays. Nous le matin, pays. Relez-vous. Dis-moi, mais c'est vérité. Et c'est faux. Et que le rapport que nous avons sur mauvais rapport. Un mauvais rapport, madame, monsieur. OK Donc, peut responsabilité. pas avec des mesures de là, c'est je chat, souris, mon chien m'bak pas m'bak paret tête, Parce que, madame, monsieur, ça qui passe là. Écoutez, c'est nous tous qui pas tout cap couler. Nous ne voulons pas que ça cap passe dans le pays. Nous ne voulons pas que ça dit passe dans le pays. Nous ne voulons pas que ça qui passe dans le pays. Danger à privé la caille nous tout. Danger à li devant la porte la caille nous. Danger à... écoutez, pendant certain temps, c'était le site de soleil qui a eu violence. C'était le qui a eu violence. Et monsieur Jacques quoi ça que ça qui passé? Ti installé là dans Figuino. Vite l'homme installé là dans Figuino. Et Dieu seul sait qui ça ils vont faire lui-même pour mettre ton gang là dans petite Dieu seul sait qui ça va couper faire lui-même pour mettre antenne Petite-Ville. Écoutez, nous ça nous est là nous pas dans joueur Timoun monde, nous dans joueur. On là, on pas là, est-ce que on pas en position? Est-ce pas en position? Écoutez, j'ai ces deux cas. C'est où bien nous en Haïti ou bien en Haïti? OK? Où bien nous en réalité en face nous, là on va nous dit que ça va bon. Et que nous, qu'on a donné ou bien on donné. Nous ne pouvons pas faire comme si nous gens fait un jouet. Tant que c'est un jeu, manger mon cher. Et puis, pour une question d'intérêt, pour une question de petit avantage pour une question de franchise. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Il faut rester à l'écoute de la population. Parce que la population, je veux dire, a campé sous position. Nous ne pouvons pas faire ça dans la rue. Nous ne pouvons pas sortir dans la rue pour nous. Nous ne pouvons pas faire Delma. Nous ne pouvons pas faire la la fait. Nous ne pouvons pas faire la plaine pour nous. Barricade, l'arrière blanche. Et qui de côté là, gouvernement. Écoutez, fort climat met en pile force pour retirer Barricade. Et de fait, la bonne fin de tirer pour un, pour deux, Barricade a encore. Écoutez, trop hypocrisie avec pays. Ok? Nous c'est des Haïtiens, même avec tout Haïtien. Nous c'est des citoyens Haïtiens avec des... tout haïtiens Maintenant, même moi même nous connaissent, nous avons pris responsabilité. Nous, même tous de ce secteur privé, prenons responsabilité nous. Okay? Je dis la situation devant nous, Namgadil. D'ailleurs, nous sommes en Noël, nous décrions nos notes. Nous disons nos notes. Mais qui positionne-nous Nous pouvons pas exprimer position. Nous ne pas demander pour aller. aller. Nous ne pas demander pour ce classe politique à entendre pour notre proposition dans le pays. Nous ne pas demander ça. Il de faut nous rester à l'écoute de la population. En tout cas. Alors, Sur la question du alors, ministre. Il faut préciser que mm -hmm. et la déclaration du ministre des Affaires étrangères mm -hmm. n'émane pas directement du ministre. Mais du, gouvernement non, du, a, du non, gouvernement. non, 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 il y a, il y a deux discours. Ah, deux discours. Et, oh, ah oui, il y a deux discours. Maintenant, sur la question du ministre... et une le... déclaration Non, non, il y, y a deux discours. Ah bon okay. Sur la question du ministre des Affaires étrangères, il a eu deux discours. Un discours par devant la tribunes des Nations Unies dans le cadre de la 77e session en Assemblée générale des Nations Unies. Et son discours que lit c'est un discours du docteur Ayn lu par le ministre sur la tribune des Nations Unies. Il a eu un autre discours, et c'est à travers ce discours qu'il a prononcé, justement, donc, euh, phrase qu'il il dit que tout est sous contrôle globalement. Il a eu un autre discours par devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ce discours-là, dans le discours-là, il dit que tout est sous contrôle globalement, madame, monsieur. Le premier discours, c'est l'île de, de discours pour le docteur Elon, son discours du docteur Elon qui n'est pas qu'à déplacer, et puis l'île pour lui. Mais le deuxième discours, c'est son discours. OK. okay que lui-même dit, qu'il est n'est pas devant comme, donc, le comme Conseil des Affaires étrangères. Comme ministre des Affaires étrangères. Pas devant okay. le Conseil de sécurité des Nations Unies. OK. Parlons de. de amis, ce même ministre, Madame, de ce même ministre mm -hmm. qui dit que tout va être sous contrôle là. Est-ce que nous connaissons l'administrateur ministère des Affaires étrangères en Haïti Che om sa mor. Li nanmen vide l'om. Li nanmen nom... kidnappe. Oui, nanmen vide l'om. Depi ou mwa. Li nanmen vide l'om. Nou an tablè di? Ekoudè. Mè pey sou kontol la. Ekoudè, manan, mè sè. Ban ban informasyon pou mwen konè. Lè matin, wap di bonjou avan, ban ban informasyon. Ban ban informasyon. Ok. Manan, manan, mè sè, ban ban informasyon. Ministre Afèr Drangia, mè sè, J. Victor yeah. Geneus. <laughs> Il a dû lè sè sa mè zon a torsel. A ah, ya yeah, ya, yeah, yè. Okay. Il a dû laisser sa maison à Torcelle. Elle était en qui était en clinique dans la là. La clinique a obligé de madame. De docteur dit que bandit métel le l'ordre à Torcelle qui c'est la caille pop caille pop caille pas le même. Ministre de sécurité. Personnel, la casse personnelle à Torcelle. Mais basé sur ça, je ne suis pas capable de dire que la situation est sous contrôle. Moi-même, casse pop-casse sous contrôle. Mon ministre de la sécurité. Je vous donne une information. Qu'est-ce qui s'est passé L'invité que j'ai appelé le ministre est généreuse de l'autre côté de la salle. Monsieur... Qu'on a le réuni les monde dans Belleville. Oui. Pour balancer la descente. Pour balancer la descente. Oui. Non, on a réuni les gens dans Belleville. Ok. Mais maintenant, tout le monde... Je oui. généreux. Je suis généreux, je ne parle pas de ça. Il a demandé aux gens d'aller dans Belleville. Effectivement, les gens qui sont là-bas... Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas aller.